Et bonjour à tous, c'est Chikibriki, bienvenue à vous dans ce guide de quête de skieur qui va vous demander d'aller sur Ground Zero. C'est Burning Rubber ou Caoutchouc Brûlé qui va vous demander donc d'utiliser la voiture, la sortie voiture en fait, sur Ground Zero. Alors il vous donne les 5000 parce que de base, bah oui, une sortie voiture, quand vous avez le karma de base d'un scav, c'est 5000. Plus vous montez votre karma, plus vous allez avoir de réduction sur cette sortie voiture. Donc voilà, vous avez ici 5000 roubles. On se retrouve ici entre le bâtiment Terra Group et ici, ça doit être le Empire. Bah, c'est marqué en gros d'ailleurs, hein, le Empire. Et vous avez au bout de cette route, derrière cette Chevrolet et tout, on va avoir la voiture et l'extract. Vous payez, vous attendez une minute. Alors vous pouvez bien sûr vous mettre quelque part à couvert, voilà. Alors sachez aussi que les personnes qui vont faire haut vont voir que la voiture est en train de partir. Ils n'auront pas le timer, mais si elle est verte, ça veut dire, je vous le rappelle, que la voiture est en train de partir, et quand elle est partie, la sortie sera rouge. Que vous la voyez ou non, vous allez quand même avoir l'information de si elle part ou pas. Alors n'hésitez pas, si jamais vous avez des grenades ou si jamais vous la voyez verte, à courir vers cette zone pour aller traiter la personne qui est en train de le prendre. Ça peut être un kill gratuit, faites attention parce que ça veut dire que la personne est aussi dans cette zone, donc faites très attention. Et voilà, c'est une manière aussi d'aller récupérer cette voiture. Si vous la voyez verte, boum, vous dépêchez, vous traitez le mec. Et puis vous pouvez peut-être sortir lorsque vous êtes à côté de cette voiture. En tout cas, il faudra juste survivre, hein, voilà, prendre cette voiture pour faire Burning Rubber. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à la soutenir avec un pouce en l'air. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi qu'il y a le Twitch pour du gameplay et voir un peu tout ça en live. Et puis surtout le Discord avec lesquels vous allez pouvoir trouver des copains avec qui jouer. Allez, à plus. Ciao, ciao.